أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وأتقي الطائعين، وعن الله دائم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. La suite de notre recherche sur la falsification du Saint-Coran avec un livre qui s'appelle Kitab al-Qira'a ou bien Kitab al-Qira'at suivant. Les différentes appellations. L'auteur est El-Sayari. Je vais faire cette étude en trois parties. Donc normalement, ça va prendre trois jours, Inch'Allah. Donc d'ici là, Shiyam Batous, il faut juste que éventuellement, si tu as des choses à ajouter dans cette qui est en rapport avec cette première partie, tu peux. Sinon, il faut faire attendre les trois parties. Après, tu pourras ajouter des choses, Inch'Allah. Et par la suite, la parole sera à toi sur une autre partie de la falsification du Saint-Coran, Inch'Allah. Donc, en premier lieu, nous devons étudier qui est Sayari. Après, par la suite, je vous donnerai qui a cité le Kitab al-Qira'a. Puis par la suite, qu'est-ce que nous trouvons dans ce livre ? Inch'Allah. Donc ça concerne, ça fait les trois parties. Donc concernant Al-Sayari, il y a peu de détails biographiques sur sa vie le concernant. Son nom complet, c'est Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad ibn Sayyar. Il est dit que pendant l'imam Mahdassan al-Hassan al-Askari alayhi salam, Al-Sayari il servit comme secrétaire à la cour des Tahirites. Min Kutab Tahir. Ça, si vous le trouvez dans Rijal al-Kishi, la page 505. Compagnie aussi, Majma al-Rijal, volume 1, page 149. Najashi Rijal, volume 1, page 211. Firas Toussi, page 51, numéro 70. Et quelquefois, c'est pour ça qu'on lui attribue comme surnom El Khatib. Ça, si vous trouverez ça dans Najashi, volume 1, page 211. Firas Toussi, page 51, numéro 70. Les Tahirites y gouvernèrent le Khorasan de la part des Abbasides. Et apparemment, El-Sayari a vécu donc pendant quelques temps dans la capitale de cette région qui était à Nishapur. Selon Ibn Radaïri est vécu dans la première moitié du 5e siècle de l'Égypte. Ibn al-Radaïri l'appelle Al-Qumi, mais c'est le seul à l'avoir appelé Al-Qumi. Ibn al-Radaïri, Rijal, page 40, numéro 11. Il l'appelle Al-Qumi, Ibn al-Radaïri, parce qu'apparemment il avait des professeurs, il avait de noms de saint maîtres et de ses disciples qui sont de Qom. Donc c'est pour ça que éventuellement il aurait appartenu au cercle des savants chiites qui étaient très actifs dans cette ville. On n'a pas de date précise sur cette date de naissance ou de sa mort. Selon Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur Bakri, il aurait vécu à la fin du 3e siècle. Arabozork Taharani, Andronlai Ali, il lui cite le rapport Ibn Hajar et il dit que apparemment il serait décédé avant le 4e siècle. Le savant iranien Jafar Soprani lui déclare qu'en l'an 286, comme celui d'un mort de Sayari, donc ça reste toujours difficile de savoir. Donc il n'y a aucune source
qui confirme la date, l'exactitude de cette date, de ce que dit Soprani. Mais en tout cas, il y a plusieurs indications qui situent le fait qu'il ait vraiment vécu à la fin au milieu du troisième siècle, enfin, pas à la fin, pardon. Parce que le fils de Ahmed ibn Muhammad al-Baqi, il transmet l'El-Seyari dans son Kitab al-Mahassen. Baqi, Kitab al-Mahassen, volume 1, page 234, volume 2, page 471, 475, 478, 493, 507, 511, 515, 517, 521, 522, 525, 550, 590. Donc là, le fils de Ahmed ibn Muhammad al-Baqi transmet les hadiths. Donc vous pouvez revenir dans ce livre-là pour voir quel type de hadith il a été rapporté. Nous venons de Sayari. Cheikh Toussi, Abu Ja'far al-Toussi, il le classe parmi les disciples du 10e et du 11e imam. Donc l'imam al-Hadi alayhi salam et l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc au milieu donc du troisième siècle et fin au milieu du troisième siècle, puisque voilà. D'après une lettre au qadi attribuée au 9e imam, imam Jawad alayhi salam, il apparaîtrait qu'il connaissait personnellement le Seyari. Mais malgré ça, le savant chiite Mohammed Taqi al-Tustari, qui est mort en 1415, oui, pardon, en 1995, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est contemporain. Et lui, il dit que cette lettre a été écrite par l'imam Hassan Askari et que le texte disponible est erroné. Ça, c'est donc Tustari, Qamus al-Rijal, volume 1, page 401, 402. Apparemment, le texte, il rappelle les écrits écrits par l'onzième imam, c'est-à-dire la même manière d'écrire. Et dans cette lettre, l'imam Jawad, donc, ou l'imam El Askari, alayhi salam, il déclare que Sayari n'occupe pas la position qu'il prétend avoir et interdit qu'on lui confie quoi que ce soit. Rijal al-Keshib, page 505. Et d'ailleurs, ce message, il est un peu crypté, il n'est pas vraiment clair. Mais il indique que Al-Sayari aurait prétendu être le représentant de l'imam et qu'il aurait obtenu le droit de la part de ces derniers de collecter de l'argent, comme par exemple le khomous. Mais selon le message de l'imam, Sayari n'est pas un wakil et par conséquent, aucune somme ne doit lui être versée. Il y a beaucoup de gens qui sont des Rajaliyin qui ont critiqué Sayari. Il est accusé de deux choses. D'avoir adhéré aux idées extrémistes, ça selon Ibn al-Radaïri, page 40, numéro 11, donc El Roulou, Najashi, volume 1, page 211, Toussi, Farest Toussi, page 51, numéro 70, Fassé del Mada, à la doctrine corrompue, il dit, cher Toussi, El Aili aussi, El Hassan ibn Suleiman El Aili, Mortasar Bassar Darajat, page 97. Quelqu'un qui était à son époque s'appelle Mohammed ibn Ali ibn Marboub al-Ashari. Il l'accuse dans son kitab Al-Musannaf de croire en la métempsycose, Tanasur. C'est mentionné par Ibn al-Radairi, page 40, numéro 11. Pourtant, de nombreux savants de la ville de Qom, au cours du 4e siècle, ils ont rapporté des Sayari qui sont des traditions qui sont dépourvues d'extrémisme. Il y a une autre accusation des savants de Rijal qui dit qu'ils rapportent beaucoup de traditions et des chaînes de transmetteurs incomplètes et qu'il est en général un transmetteur indigne de confiance. El-Najashi, volume 1, page 211. Ferrest Toussi, page 51, numéro 70. Pourtant, il y a énormément, il y a un certain nombre d'auteurs de Qom très importants qui ont transmis des Sayari.
Donc il y avait Ahmed ibn Mohammed al-Baqi, qu'on a déjà mentionné, et on peut citer aussi Mohammed ibn Hassan al-Saffar al-Qumi, donc l'auteur de Bassar al-Darajat. Il transmet d'As-Sayyari directement ou indirectement via un ou plusieurs intermédiaires. Ou Abdullah ibn Ja'far al-Himyari, et aussi il rapporte. Ça c'est dans Ibn Taous, Fala el-Sahel, page 283. Il apparaît aussi son nom parmi les sources des quatre livres, donc des très connus de sources comme El-Kafi et aussi Tardib el-Arkam de Toussi. Pour avoir ces précisions, vous pouvez trouver cela dans Jami el-Rawat de Ardabili, volume 1, page 67. Même les opinions de Sayari sont rapportées par Al-Kolayni dans le volume 4 de El-Kafi, volume 4, page 81. Le hadith numéro 3, le volume 6 aussi, page 313, page 307, pardon, le hadith numéro 13. Il y a Sayyid al-Khoui qui, dans son Mujam Rijal al-Hadith, volume 24, page 122 à 124, numéro 15375, il donne une liste partielle des autorités de Sayyari, ainsi que ses transmetteurs, qui a transmis et quels sont, et Sayyari a pris de qui. Qui a transmis les hadiths de Sayyari qui est rapporté. Selon Cheikh Toussi, El-Sayyari est l'auteur de nombreux écrits. Il y en a quatre connus, par exemple, et il donne le titre de quatre, Kitab Sawab al-Qur'an, donc le livre de récompense de Qur'an, pour le Coran, Kitab al-Tib, donc le livre de la médecine. Kitab al-Qirara, donc le livre de la lecture, et Kitab al-Nawadir. Nawadir, je ne sais pas comment vous traduire ça. Toussi, page 51, numéro 70. Al-Najashi, aussi, fournit le même titre, mais au lieu de Al-Qirara, Qirahat, il dit Al-Qirahat au lieu de Al-Qirara. Donc c'est au pluriel ou bien au singulier. Najashi, volume 1, page 211. Et aussi même Nouri Tabarsi, donc Mouhadis Nouri qu'on a parlé dans le Fasl Khitab, il le cite à la page 29. Et Tehrani Daria, volume 4, page 454, et volume 17, page 52, numéro 284. Il a un autre livre, aussi un autre livre, qui est mentionné par Cheikh Toussi, Kitab al-Rarat. Et il dit, surtout aussi, que tous ses écrits sont en sa disposition. Al-Najashi, volume 1, page 211. Tirani Daria, volume 16, page 262, numéro 1070. Il y a aussi des fragments d'un autre ouvrage de Sayari qui sont cités dans la section finale qui s'appelle Mustadrafat du Kitab al-Sahir d'Ibn Idris al-Aili. Et ce livre, par ses contenus, en vérité, ça change rien parce qu'il se contient d'un des quatre livres, des cinq livres, pardon, de Cheikh Toussi, puisqu'il viendrait du Kitab al-Nawadir. Apparemment, selon, à part ce site, le livre Kitab al-Qira'at, ou bien Kitab al-Qira'at, donc le livre des récitations ou le livre des variantes de lecture coranique, sont parvenus jusqu'à nous. Je termine ici, Inch'Allah, demain, je vous parlerai de. Quels sont ceux qui ont cité El-Sayyari? Quels sont ceux qui ont cité le livre Qirat? Et après, ça serait une analyse sur le livre à proprement dit, Inch'Allah, quels sont les hadiths qu'il a rapportés, etc. etc. Inch'Allah, ce sera. Donc, je terminerai ce sujet. Nous sommes mardi. Inch'Allah, Yom al-Khamis. Inch'Allah, jeudi, j'aurai terminé ce sujet et après. À vous de prendre la parole, bi'idhnillah, sur ce sujet, ou bien de ramener quelque chose, une autre étude sur le sujet de la falsification du Coran. Yaktafi bi'hadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa khamilin wa atratir tayrin wa salam alaykum wa rahmatullah.